Je n'arrive pas à croire que tu me laisses tomber alors que je me trouve dans le besoin. Tu parles d'une égoïste. Est-ce que tout va bien, tante Lydia? Oh, Diane a attrapé la grippe aviaire. Et bien sûr, elle en fait tout un drame. Je parie qu'elle n'est même pas malade. Ah, exactement ce que je soupçonnais. Saveur de mur. Grippe aviaire. Ouh, je vois que vous vous êtes commandé un modèle de luxe pour votre sieste de l'après-midi. Ce n'est pas un cercueil pour se reposer, c'est un cercueil de régénération. Et il sert à quoi? Si tu veux le savoir, cela empêche mes os de se désintégrer. 10 siècles d'existence font des ravages sur un vampire, tu t'en apercevras vite. Oh, d'accord. Et depuis que Diane m'a... lâchement abandonné, qui va garder le cercueil pendant que je fais ma sieste maintenant? Sans vouloir me vanter, les tâches qui durent 1 heure, c'est ma spécialité. Personne ne voudrait se vanter de cela. Il y a plein de choses que je sais très bien faire et qui durent 1 heure. Attendre 1 heure le ménage 1 heure, prendre 1 heure pour manger à 1 heure, faire en 1 heure la liste de toutes les choses que je peux faire en 1 heure. Oh, très bien. Je vais me fier à ton talent très spécifique, même s'il me paraît tout à fait insignifiant. Mais je te préviens, je ne dois être dérangée sous aucun prétexte. Et si je me réveille avec les os en poussière, je brûlerai ton âme pour l'éternité! Auto-combustion, compris. Quoi, c'est dans cette pièce pendant 1 heure? Et on n'ira pas, petite sœur! Pendant 1 heure, pendant 1 heure, pendant 1 heure, ouais! Ce que je pensais. Ce tapis mesure 3 mais vis et demi. Boum, dracalaca. Mille et une manières de compter jusqu'à 60. Une Transylvanie, 2 Transylvanie, 3 Transylvanie. J'aille aux toilettes. Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas quitter la pièce? Non, vaut mieux pas. Peut-être que je pourrais me retenir pendant 57 minutes et demie. Garde mon cercueil quoi qu'il arrive. Tant pis, ça ne prendra qu'une minute. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver en 1 minute? Reste là. Reste là, cercueil. Tu es un bon cercueil. Tous les objets que le poulet a pu toucher ont été contaminés! Alors jetez-moi tout ça aux ordures! Ça, ça, ça! Et sans oublier ça... Même les tableaux sont contagieux! Non, mais celui-là sera parfait dans ma salle d'attente. Non, mais je rêve! Où sont tous les meubles? Qu'avez-vous fait du cercueil? Regarde les jolies photos. Quoi? Non. Vous avez jeté le cercueil aux ordures. T'aurais dû commencer par celle-là. Oui, mais je voulais commencer par celle où je suis le plus beau. Je comprends.